Putain, fait vraiment un temps pourri. Donc voilà, on vient de partir. Là, il y a la bouffe. Là, il y a le sac. Là, il y a quelqu'un. Bon bah voilà, donc là on est en train de chercher le camping Rialto qui est absolument pas trouvable. Parce que là on est dans la banlieue sale de Venise, tu vois, genre avec des avions et tout, et... Mathieu qui pisse. Mais il y a un magnifique coucher de soleil par contre, mais bon, on se rattrape avec si on peut, hein, parce que voilà. Donc on va devoir partir direction Campo Alto. Oh. Voilà, comme des gros clodos. Et en plus, il s'est pissé dessus. Alors, on est arrivé place Saint-Marc. Donc là, il faut encore qu'on se repère. Mais je crois qu'on est repéré. Ça va, Mathieu? C'était du fait du port de notre repas. On n'a pas de couvert. Je sais pas comment c'est. Je vais aller demander. Au pire, ça se mange à la main. Hein. C'est génial. Il n'y a que des touristes. Ah. Ah, il y a du reggae au pire. Les Italiens sont très forts. Ils arrivent à écrire bien une phrase. Tu vois, genre en français. Si vous pouvez bien laver la vaisselle, ouais. Et à peine un mètre plus loin, ça. Voilà, nous sommes sur le départ. Ce magnifique camping Rialto. Bon, encore très beau, mais... C'est totalement désert. Je crois qu'on lui propose des cours de chant. Bon Mathieu, ça va? Ça va, ça va. On est très satisfait. C'est très beau. On met l'atmosphère là. Le cadre est très joli. C'est voilà. En amoureux. C'est tellement beau pour un couple comme ça de s'initier avec un mariage. Un mariage sur une gondole. C'est tellement peu commun. J'adore. Ça nous fait chier. Et pour l'instant, tout va bien. Et chinois. Et beaucoup de chinois. Beaucoup, beaucoup. Il est 20h05. Et nous sommes à Udine. Petit bled tout à fait paumé. C'est génial. Donc voilà. On reporte cet événement magnifique. Et des sièges en cuir bleu. C'est tellement beau. Qu'est-ce que t'en penses? Je sais pas, je regarde la meuf. Là. Merde. Évidemment, Mathieu. Ah, c'est celle-là que tu regardais. Ça va Mathieu? J'aime cette émotion. Quatrième jour de voyage. Et voilà, là on remballe, il est 10h. Les temps sont durs. Là on avait un joli camping. Il était très chiant, il n'y avait absolument personne. Là on avait une super vue en haut. Sur Vienne. Je sais pas si on voit bien là. Bon, il y a l'autoroute de l'autre côté. Mais... Donc là on est au Vestbahnhof de Vienne. Et on va repartir là. Direction on sait pas trop où. Nous sommes arrivés à Budapest. Capitale de la Hongrie, comme vous savez. Ils parlent tous en hongrois, alors on ne comprend rien. Voilà.
C'est cette langue bizarre et des lettres bizarres. On se monte Serbie maintenant et on prend une bière. Quand on ne mange pas na kasu, bratniku, kako se zove, već drži. Sve du sad. Ne može da me napiši jebeni kako je stevra, brate. Là, on est en pleine visite de Belgrade avec notre cher ami qui nous fait tout visiter. Et on marche, on marche, on marche, on marche. Mathieu commence à fatiguer. I can't problem. Fuck you. I don't know shit. I don't believe. I don't understand. Fuck you. Comment t'assumes le fait d'être dans un endroit putain de paradisiaque? Sur moi personnellement je le vis plutôt bien. Là en face il y a Zagreb et après il y a des îles, la tronche à Mathieu, des îles, un mec qui nage là, des îles, une dame qui court. Oh, thank you. Yeah. One for you. No problem. On vient de se faire offrir des putains de bracelets par des mecs déguisés en bouteille d'Orangina. Bon, actuellement on est au camping, actuellement il fait putain de bon. Là on est sur la petite plage artificielle organisée autour du camping. Parce qu'on a un putain de camping qui coûte un peu la peau du cul en Croatie, mais bon ça, pour nous ça revient pas cher, ça fait 20€ par nuit, mais tout le monde s'en branle, alors je vais pas le dire. Et là au fait, là il y a la putain de plage tout le long. Là-bas il y a Mathieu. Là il y a les montagnes. Je trouve ça assez intéressant quand même. Là il y a un petit village ultra beau. Pendant ce temps, en Croatie. Alors nous sommes à Schrupierre, il fait actuellement un temps absolument pourri. Il pleut les corps. Bonjour. Ouais, c'est un sac à merde. Nous sommes à l'hôtel, nous avons passé une nuit à Senigallia à 60€. Donc là, c'est la vue qu'on a, qui est pas super parce qu'on a vu sur un balcon là. Mais on s'en va, il y a Paul J qui est apparu, il y a Mathieu qui zarbille. On doit partir normalement dans une demi-heure. Enfin, on devait partir dans une demi-heure. Il y a une demi-heure. Il y a Mathieu en train de se changer. Allons voir. Ouais, bon. J'ai retrouvé Elvis, mets les cheveux en arrière un peu. Bon voilà, nous sommes sur le point de partir de Senigallia, notre dernier arrêt dans ce périple tout à fait passionnant avec Mathieu Masujewski. Bonjour, je vous aime beaucoup.
Ah, il aime son public. Ça fait plaisir à voir. Et voilà, il fait beau. Le train va pas tarder à arriver. Ah. Bologne. Bref, je comprends rien du tout. Voilà, ils disent les arrêts. C'est passionnant. Nous partons du tunnel de Fréjus où nous avons passé la nuit derrière ce bâtiment tout à fait lugubre et nous partons vers d'autres horizons sur cette route tout à fait sale. Oui, l'eau est fraîche, l'eau est très fraîche. Regardez l'eau, Jean-Jacques. Oui, regarde l'eau. Regardez l'eau, faites comme moi. Allez, tous ensemble. Et là, t'as le tunnel. Mesdames et messieurs, nous revoilà en France. Oula, il y a du soleil. Mathieu va aux toilettes. Et pendant ce temps, moi je fais une petite vidéo pour dire bonjour à la France. C'est un retour magnifique. Avec des gens bizarres qui se baladent. Et moi je suis content. Parce que je suis content d'en trouver mon pays. Alors voilà, ça me fait plaisir. Voilà. Bientôt au Chalon, après quelques heures, après quelques. Donc là on va partir pour Chambéry avec le train là, je suis là. Et après, bah tu sais, direction Lyon ou Chalon, on sait pas. On va y voir ça. Voilà. Donc on vient d'arriver en gare de Chalon, donc c'est magnifique, le train est là, superbe. Le film d'arrivée, ça fait plaisir.